Hey, salut camarade et bienvenue sur cette vidéo de l'Otakudio. Après Goulash et Parasite, me revoilà avec l'un des rares animes de type horreur et psychologie, avec Yakusoku no Neverland, qui fut l'anime le plus attendu de la saison hiver 2019, et qui dès le premier épisode a attiré immédiatement l'attention des amateurs du genre. Mais en dehors de son premier épisode particulièrement efficace, est-il à la hauteur du manga et des attentes? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Sachant que si, comme d'habitude, je fais très attention à ne pas spoiler, je suis bien obligé de spoiler au moins les deux premiers épisodes. Sinon, eh bien, j'aurais pas grand-chose à raconter. Yakusoku no Neverland commence en nous présentant la vie d'un groupe d'enfants vivant dans un bel orphelinat entouré d'une forêt, dans un lieu reculé et tranquille qui semble comme hors du temps. Les enfants y vivent une vie paisible et heureuse, constituée de jeux, d'amitié et de bonne nourriture, sous la surveillance bienveillante de la seule adulte présente que les enfants appellent tous maman, la tranquille routine étant juste parfois interrompue par l'adoption de l'un d'entre eux, ainsi que d'étranges tests d'intelligence. C'est seulement après qu'Emma découvre la terrifiante vérité sur l'objectif de l'orphelinat qu'elle et plusieurs autres enfants mettent sur pied un plan d'évasion désespéré, dans une course contre la montre et une intense bataille intellectuelle entre eux et leur fameuse maman. Yakusoku no Neverland est un manga écrit par Kayu Shilei et dessiné par Pozuka Demizu, publié depuis 2016 dans le Weekly Shonen Jump et comptant actuellement 14 tomes. En France, il est disponible chez Kaze, avec 7 tomes sortis pour le moment. L'histoire de Yakusoku no Neverland commence cependant plusieurs années avant. Après ses études, Shilei essaie d'écrire plusieurs mangas qui sont tous rejetés. Totalement découragé, il tente une dernière tentative avant d'abandonner, sans grand espoir et uniquement pour avoir un avis sur l'histoire qu'il a imaginée. Cette énorme ébauche de 300 pages, se nommant alors Neverland, raconte l'histoire d'enfants dans un orphelinat luttant contre leur funeste destin. Une histoire d'amitié, d'effort et d'adversité. Amenant son ébauche au magazine Weekly Shonen Jump, dont il est fan en 2013, il est alors repéré. Et contre toutes ses attentes, on lui donne la chance de publier son histoire. Neverland devenant alors le prototype du premier arc de Yakusoku no Neverland, qui couvre toute la partie se déroulant à l'orphelinat, et qui est d'ailleurs la partie qui est adaptée en anime qui nous intéresse ici. Il attira l'attention dès le début de sa publication, et il faut dire qu'il est très surprenant pour un magazine aussi encadré que le Shonen Jump, plus habitué aux One Piece, Naruto et autres My Hero Academia. Mais si à première vue, le ton et l'ambiance sont très inhabituels pour un jump, dans sa partie principale, on sent bien qu'il s'agit d'un jump, avec des personnages jeunes qui tentent de surmonter les difficultés grâce à leurs efforts et au pouvoir de l'amitié. En mars 2019, le manga cumulait un total de 10 millions d'exemplaires dans le monde, et de nombreux prix. A savoir que Shilei a dit au début de la publication qu'il visait un manga qui se termine en moins de 20 tomes, ce qui signifie que s'il n'a pas changé d'avis, il doit se rapprocher de la fin, étant donné qu'actuellement il y a 14 tomes sortis au Japon. L'adaptation animée a été confiée au jeune studio Cloverworks, connu alors pour Darling in the Franxx, Persona 5 et surtout Saishun Butayalo. Autant dire que la qualité très aléatoire de ses productions pouvait inquiéter. En France, il est disponible en VOD chez Wakanim, et je pense qu'il y a de très bonnes chances pour qu'il arrive assez rapidement en physique chez All the Anime. Après un premier épisode particulièrement efficace, on suit un groupe d'enfants, plus précisément le trio Emma, Ray et Norman, qui découvrent que leur orphelinat paradisiaque n'est en réalité qu'un élevage, et qu'ils ne sont que du bétail, destiné à être mangé par des sortes de démons. On se retrouve ainsi avec une œuvre qui se veut fortement psychologique, sur fond d'horreur, avec de nombreux retournements de situation inattendus, et une pression psychologique parfois écrasante, provenant principalement de la relation entre nos héros et leur maman, et de personnages des plus instables. Emma, Ray et Norman ont beau être extrêmement intelligents et capables d'établir des stratégies particulièrement complexes, ils devront livrer une intense bataille psychologique et intellectuelle contre Isabella, avec énormément de tension, de paranoïa et de désespoir, le tout dans un quasi-biclou, un grand classique pour renforcer la tension. Si le thème des personnages qui découvrent que leur réalité est fausse n'est pas inédit, il est ici bien plus angoissant et oppressant que généralement. Pour le côté horreur, il faut comprendre ici de l'horreur à la japonaise. Pas de scènes violentes ou gore gratuites, ou de screamers ridicules. Tout est dans l'ambiance et l'atmosphère.
avec, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de tension et d'angoisse, qui repose beaucoup sur la mise en scène, que ce soit le cadrage, les couleurs, les musiques et les sons, mais également surtout sur les expressions faciales. Elles sont peut-être exagérées, mais si efficaces. À savoir que le directeur de Neverland n'est autre que Mamoru Kanbe, connu pour le très sanglant et fanservice Elfenlied. Le mélange horreur et psychologie est une combinaison qui fonctionne. Des animes comme Perfect Blue, Shinsekai Uri ou encore les Higurashi nous l'ont parfaitement montré. Ce qui est dommage, c'est qu'ici l'anime semble parfois ne pas savoir quelle direction choisir. Il faut comprendre que si la peur semble être le maître mot de cette adaptation, le manga lui met plus la priorité sur l'aspect psychologique. L'anime perd ainsi une grande partie de la nuance du manga, ainsi que la profondeur des personnages. C'est surtout la suppression des monologues intérieurs, comme très souvent dans les animes, qui est le plus regrettable pour comprendre les personnages et la profondeur des affrontements psychologiques. Surtout quand on compare à Kaguya-sama, diffusé au même moment, qui lui utilise parfaitement les monologues intérieurs. À ça s'ajoute en plus un gros problème de temps. Avant même le début de la diffusion, le studio avait déjà annoncé qu'avec seulement 12 épisodes disponibles pour couvrir cet arc, ils avaient forcément dû faire des coupes pour que ça rentre, sachant qu'en plus Cloverworks est un jeune studio qui enchaîne les productions assez rapidement. Il manque ainsi encore de maturité, mais probablement de recul, surtout au niveau de l'écriture. Si le premier épisode possède déjà des raccourcis, il n'y a rien de dommageable, et il se montre particulièrement efficace. Mais plus on avance et plus on perd des informations importantes. Ce qui, en plus de la perte des monologues intérieurs, est évidemment problématique pour le développement des personnages. Surtout que l'anime donne son meilleur dans les derniers épisodes, avec des retournements totalement imprévisibles et des effets scénaristiques peu vus jusque-là. Ce qui fait encore plus regretter que tout l'anime n'est pas du même niveau. Il faut également noter qu'ils ont renforcé le côté mélodramatique de certaines scènes, qui sont bien plus abruptes dans le manga. Clairement, l'anime aurait demandé plus de temps disponible pour être pleinement développé. Surtout que vu la popularité du manga, il n'y avait quasiment aucun risque d'échec commercial. On a également très peu d'informations sur le monde ou sur les fameux démons, et les environnements sont également très peu variés, ce qui pour le coup est parfaitement justifié. Il faut voir cette première saison comme une introduction. La seconde, déjà annoncée pour 2020, devrait donc apporter beaucoup plus de réponses et de variété. Enfin, pour apprécier l'anime mais savoir à quoi s'attendre ou non, il faut bien comprendre que s'il est incontestablement surprenant pour un shonen, surtout de Jump, et se donne parfois des airs de seinen, il n'en reste pas moins un shonen, avec tout ce que ça implique comme cliché au niveau des thématiques et des personnages, mais également contraintes. Ainsi, il n'y a pas de gore ou de violence extrême à l'écran. Et même si le scénario et certaines situations savent se montrer très pesantes, l'anime ne sombre jamais dans la folie ou le désespoir total. Je pense que c'est une chose qu'il est important de savoir pour aborder correctement la série. Comme je l'ai déjà dit, l'anime tourne principalement autour d'un trio de personnages. Emma, le personnage principal de l'histoire. À 11 ans, elle est l'une des enfants les plus âgés de l'orphelinat. C'est une héroïne assez typique de shonen. Elle est énergique, sportive, gaie et d'un naturel très optimiste, surtout comparée à Norman et Ray. C'est après qu'elle a découvert la vérité derrière l'orphelinat qu'elle s'allie avec Norman et Ray dans le but de s'échapper. Mais elle ne veut pas qu'ils s'échappent juste à trois, mais avec tous les autres enfants. Elle est si bienveillante et un sens si profond de la justice qu'elle peut devenir vraiment obstinée. Et c'est sa détermination à tout sacrifier pour sauver les autres qui fait d'elle la figure charismatique du trio principal, avec un côté très maternel. D'un caractère bien plus calme et réfléchi, Norman lui est le chef spirituel du groupe. Il est le plus intelligent et le plus doué en tactique et en psychologie. Ainsi, ils se tournent tous vers lui pour rendre l'évasion possible. Il est parfaitement conscient de toutes les difficultés à s'échapper avec tous les enfants, condition qui rend quasiment impossible toute évasion. Mais il fera tout pour Emma, même si cela doit les faire échouer et les amener à la mort. Norman étant un personnage plutôt silencieux et réfléchi, il est probablement, et même certainement, celui qui perd le plus de la suppression des monologues intérieurs dans l'anime. Sans eux, il perd beaucoup de sa profondeur. Et enfin, Ray. Il est lui aussi évidemment très intelligent, mais il est en plus très cultivé. Il est par contre d'un caractère bien plus solitaire que les autres, et surtout il a une vision très réaliste et dure. Sa stratégie est de réduire au maximum les risques, quitte à en sacrifier certains pour permettre aux autres de s'en sortir. Ce qui, évidemment, le met régulièrement en conflit avec l'idéalisme d'Emma. En dehors d'eux, le personnage le plus important est incontestablement Maman Isabella. Pour les enfants, elle est leur gentil maman de substitution, toujours souriante, aimable et attentive à leurs besoins. Mais en réalité, elle est la gardienne qui veille avec beaucoup d'attention sur son cheptel de haute qualité destiné à l'élite.
personnage à deux visages, sa présence peut devenir extrêmement intimidante. Évidemment, il y a également d'autres personnages, comme Sister Clonée, qui est clairement le personnage le plus fou de l'anime, ou encore Don et Gilda, qui sont, en dehors du trio principal, les seuls enfants un peu mis en avant. Malheureusement, tous ces personnages manquent clairement de fond, ce qui était assez inévitable et même prévisible, étant donné le faible nombre d'épisodes disponibles. On n'évite donc pas les grands archétypes du shonen, et en dehors de leur intelligence, ils n'ont rien de vraiment inhabituel. Cependant, ils ont une mentalité et une moralité très différentes les uns des autres, ce qui les met parfois en conflit, mais les rapproche également. Les enfants, surtout Emma, sont attachants, et l'histoire cherche bien à montrer les liens entre eux. Il est également intéressant de voir que l'auteur n'a pas oublié qu'il ne s'agissait que d'enfants. Il ne s'agit pas juste d'enfants qui font des choses comme les adultes, comme on le voit dans beaucoup d'animes et de mangas. Ici, ils jouent à des jeux d'enfants, sont très attachés à leur maman, et on ressent toujours une certaine naïveté et innocence qui les rend très sympathiques. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, le fait de ne pas connaître leurs pensées via des monologues intérieurs comme le manga fait que l'on perd en profondeur et en complexité. Ce qui est quand même bien dommage pour un anime qui se veut psychologique. Comme d'habitude au niveau du visuel, Cloverworks ne fait pas de folie. Les décors sont ainsi peu détaillés et manquent d'originalité. Surtout que pour mal faire, le cadre de ce premier arc offre peu de variété. C'est juste une grande maison entourée d'une forêt. En réalité, ça aurait pu suffire pour faire quelque chose de très esthétique, profitant du cadre très limité pour y mettre beaucoup de détails ou une identité forte. Mais non. Il faut dire que si les deux principaux directeurs artistiques sont des touche-à-tout, ils ne sont pas vraiment habitués à ce genre d'ambiance. Les couleurs de Kazuko Nakashima, que l'on retrouve au même poste sur le film d'Anohana, sur l'anime Shigatsu wa Kimi no Uso, ou encore sur le Esao, sont également assez simplistes, avec des couleurs délavées, composées principalement de teintes brunes et vertes. Ils s'accordent cependant très bien l'ambiance, mais j'ai également trouvé certains effets de lumière très efficaces pour renforcer l'atmosphère. Contrairement aux autres productions Cloverworks, il faut souligner des effets de mise en scène et d'animation qui savent se montrer créatifs, avec en plus une très bonne utilisation de la 3D pour les décors, permettant des prises de vue et des cadrages intéressants. Le tout est bien immersif et renforce efficacement l'aspect psychologique. On peut également noter que l'animation des mouvements des personnages sont très bien réalisés et particulièrement fluides. J'ai également trouvé le chara-design intéressant, avec une patte vraiment unique. L'anime excellent au niveau des expressions de visage, qui sont peut-être très exagérées, mais très efficaces, surtout pour montrer la terreur ou la folie, avec des gros plans angoissants et marquants. Les musiques sont l'œuvre de Takahiro Obata, qui travaillait pour la première fois sur un anime. Il livre ici une OST convaincante, qui correspond parfaitement à l'atmosphère de l'anime, sans être mémorable pour autant, ce qui est assez habituel pour les animes d'horreur, où les musiques cherchent surtout à créer une atmosphère. C'est pas ici qu'on recherche de la grande musique. Le plus important dans ce type d'œuvre, c'est l'utilisation des effets sonores, comme les gouttes d'eau qui tombent, le plancher qui craque, ou les respirations lourdes. L'utilisation des silences est également très efficace, même si pour le coup je trouve qu'ils ne les ont pas suffisamment utilisés. Cette première saison est clairement une adaptation convaincante du manga, mais souffre malheureusement de problèmes de production. Si l'anime possède une atmosphère certaine, avec en plus un thème très original qui ravira les vegans, la production n'est pas vraiment à la hauteur, avec des choix de production discutables, surtout la disparition des monologues intérieurs, mais également un trop faible nombre d'épisodes pour se développer, ce qui, pour le coup, n'est probablement pas du fait de Cloverworks. Mais plus problématique encore, un manque flagrant d'ambition et de prise de risque. Attention, je dis pas que c'est mauvais ou que c'est bâclé, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être encore bien meilleur. Quoi qu'il en soit, j'attends avec une certaine impatience la saison 2, qui nous promet déjà pas mal de révélations sur le monde et plus de variété. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.
Et pour ne rater aucune prochaine vidéo, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.